Le foot féminin qui séduit de plus en plus de jeunes filles à l'OL. Les U11 rêvent toutes d'avoir une carrière à la Wendy Renard. Samedi, elles seront d'ailleurs à Turin pour encourager nos Lyonnaises en finale de la Ligue des Champions. Le club qui peut remporter son 8e titre européen face à Barcelone. Laurent Canonico. Et si dans l'ombre de ces U11 féminines de l'Olympique lyonnais se cachait l'élite de demain? 3 entraînements par semaine. C'est long. Ces graines de championnes rêvent elles aussi de monter sur le toit de l'Europe et d'emprunter les traces de leurs aînés. Elles vont forcément la gagner parce que l'OL est meilleure que le Barça. Du coup, on va ramener une Ligue des Champions. Et puis aussi, ça m'inspire. Elles ont du talent et j'ai envie de venir comme elles plus tard. C'est devenir joueuse professionnelle à l'OL et en équipe de France. Bien sûr que ça me fait rêver parce que je rêve d'être une joueuse pro. Et que je rêverais faire ce rêve, je veux le réaliser. Des objectifs et la culture de la gagne à l'OL. Dès l'école de football, la victoire fait partie intégrante de la formation. Bien joué Camélia, bien identifié, la jaune avec Ferriel. Les grandes gagnent tous les ans quasiment, que ce soit en Europe ou que ce soit en France. Et nos jeunes de l'académie, après chaque match ou avant chaque match, on leur dit qu'il faut gagner, c'est très important. Et on doit gagner, c'est obligatoire et on doit porter nos couleurs. Cadeau du club offert aux féminines, un lever de rideau attend les U11 avant la finale des pros. On va jouer contre la Juventus et après on va regarder la Ligue des Champions OL Barcelone. Samedi, sur la pelouse du Juventus Stadium, les septuples vainqueurs de l'épreuve vont tenter d'écrire une nouvelle ligne à leur palmarès.